Ok, on est reparti. La suite et peut-être la fin de ce niveau très long. Je crois que j'avais dit que c'était les donjons les plus longs. Et voilà, on va finir le premier couloir avec tous les mobs qu'il y a là. Tu peux survivre! Me fais déjà emmerder par une patrouille. Beaucoup de monde. Essayez, elle a mais pas qu'il n'y ait jamais à tuer là-bas. D'abord tue ceux-là parce que... Je me fais encore attaquer. Oh ouais. Mais tu vas te calmer, ouais. Mais calme-toi. S'il te plaît. En plus ce con. Tu te calmes. Laisse-moi fouiller cet endroit maintenant. C'est pas drôle. Un passage secret quelque part. Même pas. Ah si, y a un passage, mais non, on va éviter. Ok, on va éviter de fouiller la suite, hein. On va attendre un peu. Parce que j'ai pas les trucs qu'il faut en fait. On a fini de fouiller cette partie-là. Hein. On a quasiment nettoyé à 100%. Partie-là, mais bon. J'ai pas Mauve Mountain niveau 3, ça sert à rien. Très bien. Niveau suivant, s'il vous plaît. Vraiment, j'ai tout ça à fouiller. Ah! Ça, c'est intéressant. Sécurité. Painting spray. The Great Barrier guard away and with great vision, the Togo are beyond. Donc voilà. Il y a les barrières ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est que mon objectif va être de d'ouvrir ces barrières. Puisque de l'autre côté des barrières, il y a les troglodytes. Et c'est mon objectif. Pour stopper mon problème de troglodytes et de géants, je dois faire en sorte d'ouvrir cette barrière. Par contre, je sais absolument plus comment je dois les ouvrir. Alors, plus du tout. Même pas mal. Mais c'est workshop.
Masse XP de rester ici. Alors, c'est un cave slime. C'est pas les slimes qu'on a affrontés au tout début. Et je crois que j'en ai déjà parlé. Avec. Là, vous êtes un petit peu trop. Qu'est-ce que tu fous sur le feu, toi? Ah ouais, carrément là où il fallait pas. Barre de fer. Ok. Ne touche pas. C'est moi qui te touche. Vous êtes des chamans? Est-ce qu'à même un souffle mollet, je sais. Vous êtes des chamans. Un petit passage là-haut. Aïe. T'inquiète pas. Ok. Oh non, mais pas ça. Ah, comment je peux taper maintenant? Ok, on est bon. On n'a pas la clé. Qui a osé? C'est toi. Putain, c'était l'autre. Allez, les deux. C'est les deux. J'avais une question piège. Alors, ça me dérange, mais absolument pas. J'arrive pas à tuer un Gremlins. J'arrive pas à tuer un Gremlins. Ça nous identifie, on s'en fout. D'accord. Me fait peur ce con. Il y a toujours un petit air de terre. On se retrouve là, cool. Vous êtes nombreux les gars. J'ai abusé un petit peu. Être un peu beaucoup là. Ah, il y a un chaman en plus. Ah, je suis pas bien là. Pas bien du tout. J'en ai tué pas assez. Ah, encore un.
Ça dégage. Ah, il y en a encore tout plein là-bas. Mais ne serait-ce pas. Mais oui, ça a l'air d'être là où il y a le chef. Même pas mal. Enfin, si, un petit peu quand même. On fuit pas, j'aime pas les fuyards. Sérieux, reviens toi. Cave of the Giant Humans who enter. Ah d'accord. C'est là que vous venez. D'accord. C'est que... Les géants adorent les sources chaudes. Merde. Voilà. Et je suis vénère. Moi j'ai acheté. Vous avez pris 50 niveaux dans le même donjon. Super vitesse. Hey. Bien survécu. J'aurais pas aimé. Recule pas, ça sert à rien. Elle dit quoi? J'aime pas les fuyards. Mais bon, on a bien travaillé. Le hall du Naga. J'aime pas ce nom-là. Mais la fresh air en 6. Trouver une sortie. Compter 3 sous, merde. Oh non, je peux pas, il faut dispel barrière. Marquer le hall du Naga, ça m'intéresse. Non, pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, c'est la sortie principale. Régène, allez, tranquille. Ouh! On avance bien! Que Rebecca ait 137 PV, on a bien avancé déjà. Je ne sais toujours pas où aller. Bon, je sais que j'ai un passage qu'il va falloir que je... Déjà, il y a un passage... Il manque toujours un élément en fait. Donc je trouve où est-ce que on a accès aux barrières.
Ouh, ça c'est moche. Ça. Ah, ça c'est très moche. J'ai horreur de ça. Ah oui. Ah là, on a un œil best. Ça c'est. J'ai même pas. Putain, il a survécu. L'œil baisse. Alors que je fais demi-tour plus vite. Oui, je prends. Ah. Oh putain, je suis coincé. C'est dégueulasse! On a dû détruire la table. Refaire le. Les secondes. On a tout fouillé, on a tout nettoyé ici, on est bon. Et j'ai pas encore tout nettoyé du tout. Mais voilà, un sacré passage. J'ai nettoyé cette zone. Garde. Je sais ce qu'il y a de l'autre côté. On va en chier. The place of the master, the world of the serpent god. The cousin work of this cave is great and untied, except for a soft hiding nose. Then several giant workers are hiding to the west. Three snakes slice out a hole in the wall. Each is over 20 feet long. Donc ils sont très très longs, ce sont d'horribles serpents.
Putain, y en a trop. Oh putain, ils me font déjà casser les couilles. Là, l'objectif, c'est un peu plus clair. On reste par là. Piou, piou! Et en plus, un chef. Il faut qu'ils viennent en même temps. Là, bonne nouvelle, les deux premiers, ils tombent. Oh putain, il y a les deux en plus. Ah ouais, ils ont carrément créé des trucs en plus. Il en reste deux. Hein. Poignée. Je vais nettoyer la zone aussi. Cassez-vous! C'est le plus dangereux, c'est ça. On vient de passer les trois serpents. Je viens de défoncer trois nagas. Ça prouve que dans cet avernum-là, par rapport aux deux, ils sont faciles à battre. Enfin, facile. Un peu de strat. Iceland. Une clé, je prends. Je sais pas. Mais parce qu'en plus c'était potentiellement mortel. Ce qu'on... Elle là tout à l'heure. D'accord. Là, si j'ai bien compris, je peux. Maintenant que j'ai la clé, je peux aller de l'autre côté. Ok. His own was built with craftsmanship that would be accepted in anyway. The gentle. On va se marrer là encore. Et messieurs, la petite énigme de tout faire disparaître. Attention, si j'ai bien compris, il y a les grosses bestioles qui te...
Peux pas me casser les couilles. Je ne peux pas passer, très bien. Je peux soigner. Complètement mindé. Alors, on va nettoyer un petit peu la zone, hein, parce que j'ai un démon à affronter. Alors, arrêtez les grenouilles de merde là! Cassez les couilles! Putain! Oh la vache! Cassez les couilles! On vient de passer la grille. Ah, c'est pas les parer. Oh putain, il commence déjà avec ça, lui. Super! Le comité d'accueil de FDP, très bien. Mais pas des gremlins! Hey, mais je peux passer là un peu! Foutez-moi la paix! Je veux juste passer. Et c'est la strat de base. Putain, l'enfoiré. Calmer un petit peu maintenant. Où y a un point? Oh non. Je peux pas le soigner, putain, vas-y, ça me saoule. Il fait des gremlins à chaque fois que j'arrive, c'est impossible. Voilà, c'est bien ça. Pas encore me battre. Très beau vidéo que j'ai eu là.
que je l'ai. Je les ai. Me t'as fini de me faire chier. Fous-moi la paix. Oh putain, il avait plus de vitesse. Ouais, les cocorèges, ça va encore. Ouf! Eh ben putain, c'était long et chiant. Tout ça pour ça. Donne-moi un trésor. Ça c'est bien. Un autre. Ça c'est bien aussi. Ok, un autre. Dague d'assassin, très bien. Pourquoi pas. Barrière tunnel. Très bien! Très bien! Le Xayant Pouch, très bien aussi. Mind Crystal, très bien aussi. Ben voilà. Ok, là ça parle. Je peux se barrer maintenant. Aïe. Désolé. Hors d'orientation. Je peux se barrer. Il va trouver la sortie. Non, oh, je peux pas passer par là. J'ai plein de gardes. Ok. Ben, on a bien avancé. Donc. Donc déjà pour commencer, on va vous parler, enfin je vais vous parler des objets de Xian. Ou les Xian, je sais plus, on dit Xian. Non, Xian. Allez. Donc il existe différents items qui appartenaient à un certain Xian. Ou Xian. Non, Xian. Je m'en fous. Et c'est un type qui est mort. Et chacun de ces objets est magique. Donc là, je vous ai montré le Xian Pouch. Il me semble que j'ai aussi... Non, non, je crois que je l'ai pas fouillé, c'est le... Je vais aller le chercher plus tard. Je sais où se trouve le Xian Tomb. Object from the Strand Pouch. Quel bousy. Humain. Qu'est-ce que t'as dit? Tu m'as traité de quoi? Humain. Alors, le chaman, c'est... Première ligne. Bonne idée, ça. Donc, on a des tanks. Maintenant. Merde, j'ai tué une mauvaise. Je sais pas pourquoi je vais par là, il n'y a plus personne. Allez. À plus près. Dégagez. Non, j'ai un truc intéressant là, j'ai un scroll. Alors, par contre, qui c'est qu'à la map? Non, ça c'est trop Louis Story. Toi, t'as un pantalon. Ok. À Barley, l'été wet, Trugolith, layout, biscuit. Un autre button say long wake wound month north dance. Donc voilà. Ce scroll va me permettre d'aller me battre en deuxième déjà. Faut
Faut que je trouve le lieu. C'est pas fini. Mais c'est intéressant de tomber là-dessus parce que je vais pouvoir finir cette guerre avec les géants et trouver le lead d'un seul coup. Faut juste que ouais, c'est dans cette zone-là. Voilà la rivière. Par contre là le jeu m'empêche totalement de faire quoi que ce soit. Moi la paix. On veut ou pas. Non, moi j'aime bien. Je ne veux pas affronter ces géants. Donc voilà. L'autre côté. Donc là, je vais devoir trouver le fameux tunnel. Les découvrir. Il y a des saloperies là. Et j'ai affronté. Des spectres! Putain, ils sont juste à côté de. Mal avec ça, c'est ça qui fait mal. Bleh, tu pues la merde. Est-ce que ça serait pas là justement? Je crois que c'est pas là. Hein. Non, je ne peux pas ouvrir. Non. Ah, il me semble que c'est là. J'avais juste. Si j'ai le temps de le faire ou pas. Bon, on va voir ce que ça va faire. This cavern is very hot and muggy. It's hard to breathe. Not just because of humidity. Donc voilà, il fait chaud, mais il n'y a pas d'humidité, blablabla. Plein de puissance, de cristal, donc voilà. Voilà, mon objectif, c'est d'avancer pour retrouver la zone. Parce qu'en fait... nous sommes à la source de ces mystérieuses barrières. Et c'est ça qui empêche justement les géants et les troglodytes de se taper sur la gueule. Là, l'objectif, c'est clairement de... Un portail. Et entrer. Ah oui, d'accord. Une zone constater que je ne maîtrise plus trop la chose. Non, je devrais. Au fait, d'aller, je peux. Dur, j'ai trouvé les lignes. Il faut que je retrouve.
On est bon là. Ok, on est bon. You wake up, you feel awake and know the day. You feel like the portal from long ago, long way. Reset les miroirs. Alors, j'ai deux miroirs. Voilà, il y a eu un truc qui est bloqué. Bon, ça, c'est... On fait pas le con. Which a large cave far below the mighty mountain above you. The cavern glow with magical energy and with the light on the huge crystal to the west. Several ways the platform still lighted the power source and beam projector. Carefully positioned to generate energy and envelop a pair of magical barrier. The barrier black corridor, the nose. Sauf que... Alors je vais sauvegarder, mais cette fois je vais sauvegarder dans le sauvegarde numéro 2. Parce qu'il me semble qu'il y a deux saloperies là-dedans. Ah, c'est déjà... Bon, bah, le but du jeu, là, c'est très simple. C'est de se booster à mort. Et de le défoncer avant qu'il... Donc là, on ne tape qu'avec le plus fort. Voilà. Ne pas taper. Et... Voilà. Donc ça, c'est un Doom Guard. Le Doom Guard est vraiment très 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 puissant. En fait, pour ceux qui connaissent Avernum 2, vous savez ce que c'était. Donc. Ici, l'objectif est très simple. Il suffit de... Détruire le cristal. It takes you a few minutes to regain the ability to stand up again. There is a carnage. You see the black lamp pedestal summoned by broken shards of crystal. The ticks and the ozone are too weakly unblocked. Passager. Et là, ça devient la merde. Soudain, vous entendez un certain figure. They will make you pay for this. You have far yet to journey. In game, on black quag lies again. And you disappear. You notice something little pedestal. The chain in the chamber. Before you have time to digest this, vous êtes interrompu à nouveau par des troglodytes qui courent depuis le sud. Et il y a des géants qui viennent du nord. Ce sont des ennemis naturels. Ces deux forces vont se tuer, évidemment. Vous entrez dans la, au plein milieu, donc... voilà. Si vous survivez, vous pouvez fêter votre victoire. Donc j'explique, j'ai détruit le cristal qui est la source de ces barrières. Les barrières se sont levées, on l'a vu du côté troglolithe que les barrières étaient au nord, donc ça c'est la partie troglolithe. Et un peu plus au nord, il y a la partie géant. Et les deux sont arrivés quand les barrières sont tombées, ils vont dire qu'est-ce qui s'est passé, et là ils nous voient nous, complètement affaiblis par le cristal. Défoncé. Il y en a partout Survivre. Les troglodytes sont plus dangereux. Oh non! On l'a refait. J'ai fait défoncer. Défoncer. Faut dire être du côté des troglodytes, c'est vraiment la pire idée. Alors, Rebecca, tu es le tank, tu vas aller là, d'accord ? Tu vas attendre. Et les autres, vous allez vous mettre en embuscade là-bas. Ah non, on casse ours.
Ils vont s'entretuer, c'est cool. On va faire gaffe, ouais. Ils sont en train de s'occuper, c'est très bien. Et la guerre! Oh putain, y'en a un qui est mort. Il a survécu, dis donc. Bien tenté, mais dommage. Bien. Oh, il y a eu des morts. Ah. Et on est en train de gagner. On va se défendre un petit peu. Ouch! Ouch! Non! Non, j'ai tout perdu! Je dois recommencer! Non! Oh purée! Je l'avais! J'aurais dû sauvegarder avant. Fuyons! Fuyons! Ah, il y a déjà des géants qui tombent. D'arriver là. Ouais, il y en a partout. Calmez un petit peu, hein. Il y a un mage là qui m'emmerde. Non, non. Dégagez. Regardez, il y a un troglodyte qui traîne là. Merci. Oh, sérieux. Regardez, il y a un chaman là qui traîne. Ouais. Ils sont tous là. Ah, tu le gagnant.
grosse sauvegarde. Ils sont tous morts. Guerre est terminée. And the winner wins. Holy Colcos. Voilà. On a pu. On peut se tirer de là. On a sauvé le monde. Pas tout de suite. Je suis bloqué. Par où passer? Par les géants. Donc voilà, l'invasion des géants et des troglodytes ont été stoppés. Alors il faut savoir que c'est la troisième invasion que j'ai stoppée. J'ai pas fait encore la deuxième invasion, je vais le faire au prochain épisode. Parce qu'il est à la fois très long et très court. Ça devrait aller. Donc maintenant que la barrière est tombée, en fait, dans l'histoire, c'est que les géants et les troglodytes vont se quereller tellement mortellement qu'il n'y aura pas de vainqueur. Donc du coup, les géants vont laisser le peuple de Valorim tranquille. Ah yes! On est à voir la capitale. J'ai un bidule. Bon, on va se dépêcher aussi. Encore deux petites choses à faire. Non, c'est pas par là. No, rien à péter de ta traditionnelle culte à la con. Horreur du 3 pour ça. Et le problème, c'est que le prochain endroit où je vais aller, bah, c'est leur centre du culte. Il vous aidera. Le Dispel Barrière niveau 2. Très bien, je l'ai déjà. Donc voilà, grâce à ça, j'apprends le Dispel Barrière niveau 2. Très important. Donc c'était ça le comble, c'est que je pouvais pas fuir le château. Et en fait, j'avais juste à envahir les géants et ça passait nickel. Ok. Donc on va aller voir un Examander, vite fait. Plus de problèmes de troglodytes, plus de problèmes de géants. Le Dispel Barrière niveau 2, ça va m'être très utile. Je sais maintenant que je possède le Dispel Barrière niveau 2. Donc là, j'aurais pu aller voir le vampire pour le tuer avec le Dispel Barrière, puisque c'est avec ça que je m'en suis servi. Mais vous avez constaté que je n'avais pas vraiment besoin. Et BK 147 PV, trop bien. Ça paraît beaucoup, mais c'est pas autant. Well done, we gave you a chevette chance to save a cool so that's a hand buff from the over master and from the empire, so keep exploring, I feel much be done. This is a bit... Ah. C'est day 14 que ça commence? Right, in the middle of four emergence, a band of bandit message. On volait l'orbe de Talny. Chier. Ok. Lisez le téléporteur. Le Jewel of Twitter.
Enfin bref. Donc, malheureusement, c'était pas prévu ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Cardinès, plus d'exacté. Non plus. Elle, on va rajouter un peu de dégâts. Voilà. Un peu de force aussi. Un peu de rien d'autre pour l'instant. Un peu d'intelligence. Un petit peu de PV. Ça fait plaisir. Et on va commencer par augmenter aussi l'Arcano. Non, c'est Cordélia. Cordélia, on va lui augmenter. C'est un peu le damage aussi. Du côté de Mycroft. Plus d'intelligence. Un petit peu d'Arcane Lore comme ça. J'ai un item lore et un rune reading assez. Ok, et ben voilà. On a bien travaillé. On est à 91, 147, 59 et 46 PV pour un niveau 24, c'est pas mal. Et d'ailleurs, j'ai atteint la moitié du niveau nécessaire pour vraiment finir le jeu tranquille. Mais bon, déjà à ce niveau-là, ça peut aller. C'est là-dessus que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve du coup pas mercredi. Mercredi, occupation personnelle, vous savez ce que ça veut dire. Bon, ça peut m'arriver les mercredis maintenant aussi. Sinon, on se retrouvera samedi pour la suite des aventures de Final Fantasy XII, dans lequel je continue les plaines de Giza, j'ai un monstre de contrat à faire, et après je continue l'aventure à Château de Rabanas. Voilà, cathédrale de Rabanas, je sais plus. En tout cas, on va envahir l'endroit qu'on n'a pas le droit de visiter. Et ça va enchaîner sur plein de trucs, vous allez voir. Je vais enchaîner même deux boss si je suis super rapide. Donc voilà, ça va être très long et très palpitant. Et enfin, on se retrouvera lundi prochain pour la suite des aventures d'Avernum 3, dans lequel je m'occupe du problème de l'orbe de Tani, parce que des bandits ont piqué l'orbe de Tani, il faut le récupérer, et ça c'est un objet extrêmement précieux. Je crois que je vais pas toucher au Day. Et quand j'aurai fini la partie de l'Orb of Tani, je vais m'occuper de remettre au jour 1 pour éviter de perdre le bâtiment. Et je visiterai la deuxième invasion que j'ai pas stoppée. Voilà. Petite parenthèse, on est le 4. Je précise que je sais plus quand. C'est quand. Alors, peut-être que c'est le cas, peut-être que ce sera pas le cas. En tout cas, j'ai planifié pour l'instant au 14. Si ce n'est pas le cas, ce sera le 15 mars. Mais pour l'instant, on prévoit jeudi 14. Donc pas jeudi là, mais jeudi d'après. J'ai prévu une séance de Game Clicker qui sera consacrée à un petit jeu d'Halloween. Un petit jeu qui inclut d'autres petits mini-jeux à l'intérieur assez rigolos, des trucs que vous connaissez très bien. Vous allez voir que malgré le fait que c'est un jeu clicker, au début c'est chiant, mais petit à petit vous allez kiffer les petits jeux qui sont proposés, les petits trucs qui permettent de gagner parfois des sacrés bonus. Et donc c'est un univers un peu à la Halloween, assez rigolo. Le son est assez chiant, mais bon, ça j'expliquerai en temps et en heure. J'ai bien sûr parlé de Scream Collector. Voilà, sur ce, moi je vous dis bonne nuit plus plus. Tchuss les gens.